Yo tout le monde, c'est Lit, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va plutôt bien les amis. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online qui va vous permettre de dupliquer votre personnage en illimité à une rapidité plutôt intéressante, vous allez le voir pendant la vidéo. Donc c'est vraiment un petit glitch sympa pour faire un combat avec vos clones, un petit délire ou même un troll à vos amis. Je tiens à préciser que ce glitch marche sur toutes les plateformes. Je pense avoir tout dit concernant le contenu de cette vidéo et c'est parti. Donc pour réaliser ce petit glitch, c'est très simple, la seule chose dont vous devrez vous munir est d'un ami et une voiture 4 portes dans laquelle on peut s'asseoir à l'arrière. Une fois que tous les éléments sont réunis, on peut commencer le glitch. Vous allez donc devoir monter place conducteur de la voiture et demander à votre ami de grimper à l'arrière de celle-ci. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous donner le plaisir de rouler quelques mètres avec le bolide si vous le désirez, histoire d'allumer le moteur et de ne pas faire foirer glitch. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez dans votre menu Start, vous allez dans En ligne et vous cliquez sur Trouver une nouvelle session et vous validez le message. Vous allez donc retourner dans une session online inconnue, il faudra donc tout simplement rejoindre à nouveau votre ami, soit en allant dans le menu des amis et faire rejoindre, ou si l'ami en question est dans une session sur invite comme dans mon cas à moi, demandez-lui de vous envoyer une invitation à la session et de le rejoindre. Une fois que vous avez rejoint votre ami, retrouvez-le sur la carte, car il n'est pas impossible que votre clone, que vous avez cloné votre personnage, qui est donc devenu PNJ, ait pris possession totale de la voiture et s'en aille donc aux quatre coins de la map. Une fois que vous aurez repéré votre ami, vous pourrez bel et bien remarquer que vous avez votre frère jumeau, ou encore bien votre clone en face de vous trait pour trait, et je trouve vraiment ce petit glitch funny et sympa, c'est donc pour ça que je vous l'ai présenté. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, un commentaire et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Évidemment, pour suivre la suite de mon aventure et avoir encore plus de glitch en exclusivité et de vidéos délire, comme ça va être le cas avec la série des courses WTF, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers.